La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle de la grande extension Histoire de la santé humaine de Jean-David Zeitoun. Depuis mars 2020, la planète semble engluée dans un défi sanitaire inattendu, aux impacts sociaux et économiques encore incertains. Décidée à prendre un peu de hauteur dans cette crise incroyable, Jean-David Zeitoun nous invite à plonger dans l'histoire de la santé de l'humanité. Ce grand récit retrace notre histoire à travers les 12 000 ans qui ont vu notre espérance de vie quasiment tripler. Il tente de comprendre, avec l'appui de nombreux travaux d'autres chercheurs, comment toutes les améliorations techniques, médicales et sanitaires peuvent expliquer la formidable expansion de la santé et de la longévité que l'humanité connaît. Il pointe et tente d'expliquer l'actuelle perte de longévité qui touche plusieurs pays industrialisés tels que les États-Unis et l'Angleterre. Il rappelle que depuis que les humains ont commencé à vivre plus longtemps, chaque génération a préparé la santé de la suivante. Il nous met face aux grands défis qui sont déjà là. La médecine n'explique que 10 à 20% de la santé. Les 80 à 90% restants reposent sur les déterminants environnementaux et comportementaux, eux-mêmes insérés dans des déterminants sociaux. Il nous fait mieux comprendre que la pandémie actuelle n'est pas due au hasard. L'actuel état sanitaire mondial prend sa source dans l'industrialisation et les grands changements sociaux et environnementaux de l'après-guerre. C'est une histoire complexe, parfois étonnante, vraiment passionnante, qui touche à la collectivité mais aussi à l'histoire de chaque individu. Et malgré la complexité du sujet, cette histoire de la santé humaine se dévore comme un vrai polar documentaire. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est présentée par Isabelle.